Salut vous autres! J'espère que vous êtes prêts à bouger. Aujourd'hui, à Clémence au carré, tu vas avoir besoin de ton étui à crayon. Si jamais tu n'as pas d'étui à crayon, pas de problème! Tu peux prendre un crayon, ta casquette, ton hamster. Tous ces choix-là fonctionnent. Sauf peut-être ma dernière suggestion. Assure-toi d'être capable de tenir ton étui dans une seule main. On va bientôt commencer. T'as juste à nous suivre. On va commencer en travaillant nos jambes un petit peu. On va venir faire un bras-genou opposé. On est parti! Stabilise le plus possible. Si jamais tu perds l'équilibre, tu peux garder ton bureau pas loin. Vous êtes bien parti, tout le monde. On continue. On va rester sur cette jambe-là. On y va avec un tour de taille. Tour de genou. Attention d'avoir ton genou bien aligné. Pas qu'il rentre comme ça par en dedans. Et attention, on change de jambe du début. Abdos solides. Allez, allez! Vous êtes capables en masse. Ça va bien. On est en tour de taille et tour de jambes. Ça fait un petit peu basket, hein, ça? Mouvement basketball. Allez, encore 3, 2, 1 et stop! Excellent! On va aller travailler le haut du corps cette fois-ci. On commence avec notre bras droit, des petits ronds vers l'avant. On y va! On va aller travailler nos épaules un peu. Des tout petits ronds, pas comme ça, tout petits. Attention de ne pas être tout croche. Hein? On est droit, on est fier. Encore 5 secondes. On amène devant, on pulse. Encore une fois, des mini-mouvements, ça va venir travailler ton épaule quand même. Dans 5 secondes, on retourne sur le côté et on pulse aussi. Maintenant. Ça commence à chauffer au niveau de ton épaule. Reste stable. Petit, petit mouvement. Bon, OK, un peu de sérieux. On revient à nos moutons. On part sur le côté, t'amènes au centre, au-dessus de la tête, devant, côté. On y va. Va pas trop vite, prends le temps de le faire. Moitié de fait. Et on reprend du début le côté qu'on n'a pas fait. Donc, les petits ronds vers l'avant. Travaillez droit, on travaille à gauche maintenant. On amène devant. On pulse. Ça devrait commencer à chauffer là, les épaules. Ça commence à travailler. J'espère pour toi que t'as pas trop de crayons dans ton étui. Encore 5 secondes. On ramène sur le côté. On pulse. Bientôt, on va avoir notre mouvement de danse. Dans 5 secondes. Maintenant. On revient au sérieux. Le mouvement tantôt. Devant, en haut, côté. C'est le dernier mouvement haut du corps. Encore 3, 2, 1 et stop.
Dernière séquence, on va aller au sol, on va aller travailler la ceinture abdominale. Là, pour ce mouvement-là, ça va être super important d'avoir un bon dos droit. On veut pas de gollum, on veut pas être tout courbé. On va avoir deux mouvements seulement. Le premier, on vient porter sur le côté et l'autre côté. Allez, allez, presque fini! Vas-y, à ton rythme. Pas de gollum. Encore 5 secondes. Et stop! On reste dans la même position. On vient faire un 8. Un peu basket comme tantôt. Trois, deux, deux et demi, un, et stop! Hey, super entraînement tout le monde! Là, je pense que ça va être le temps d'aller entraîner ton cerveau. Bye! Bye.